Si cette vidéo elle atteint les 2100 likes, je refais un épisode 2 de la roulette. Ici avec une vraie roulette. Et c'est vous qui allez choisir le prochain thème de la roulette. C'est le commentaire qui aura le plus de likes. Non! Vas-y frère, c'est fait exprès! Mais c'est fait exprès! Oh! On dit pas bon appétit en vrai, on a un. Comment on dit bon appétit? Like, car, j'ai pli! Aïe aïe aïe, ça nique la norme! Allez, j'ai envie de faire du mélange avec ça! Ah, ça nique! C'est bien ça là! Toujours plus de bons de cacahuètes! America! Il faut que tu trouves des mots en arabe! Quel plaisir. Wesh les gars, bien ou quoi? C'est Kibiki avec une coupe de cheveux un peu matinale. J'espère en tout cas que tu vas bien. Une nouvelle vidéo. Et déjà, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne YouTube. Nous sommes bientôt 40 000 et aux 40 000 abonnés, Christopher fera le gigatacos. Donc n'hésitez pas, voilà, on abonne pour le foutre dans la merde. Hein. Let's go, let's go. En tout cas, merci la famille de votre force. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Et le pourcentage de personnes non abonnées se réduit au fur et à mesure. Hein. Il faut descendre, il faut que tout le monde s'abonne, la famille. Aujourd'hui, on est parti comme d'habitude hein, pour une petite vidéo bouffe. Je vais faire du cardio. Je vais faire un peu de cardio aujourd'hui, donc on est parti je pense 800 calories de cardio, puis moi sur Instagram si tu veux voir mes séances de muscu, mon cardio, etc. Comment je gère avec les vidéos bouffe, vous allez me ressouffrir, à tout à l'heure. Terminé mon cardio, ça fait du bien. Et la rétention d'eau, surtout que moi j'en fais souvent avec toutes les conneries que je mange. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de muscu, je sais que vous en avez rien à faire. Il est 14h et j'ai toujours pas mangé, et j'ai super faim. Petit nouveau concept, vous aimez bien les nouveaux. Je vais faire une roue avec plein d'ethnies, par exemple je vais mettre turc, indien, sénégalais. Je vais mettre plein d'ethnies différentes. Par exemple si je tombe sur indien, il faut que j'aille dans un restaurant indien et que j'aille manger un cheese naan par exemple. Les gars, nous voici devant la roue des stéréotypes. J'ai mis algérien, américain, chinois, français, indien, italien, japonais, malien, marocain, sénégalais et ainsi que turc. Et je vais juste tourner la roue et on verra sur quoi je vais tomber. Rien de méchant dans la vidéo, même si c'est des stéréotypes, etc. On est là pour s'amuser. On va faire donc les stéréotypes fast food hein. Sur quoi j'ai pas envie de tomber? J'ai pas envie de tomber sur indien. Ah non, j'ai pas envie en ce moment. Ah non non non. Il fait chaud en ce moment. Tomber sur indien, ça va me picoter. Ouais, j'ai pas trop envie de tomber sur français parce que français au final. On est parti pour le premier tirage. Et c'est parti. 15h, oh là là, j'ai toujours pas mangé, les 15h les gars, c'est abusé. Non. Vas-y frère, c'est fait exprès. Mais c'est fait exprès. La fille de ma mère, c'est fait exprès. Je fais pas exprès. Je vous le jure, je fais pas exprès. Je refuse. Je vais prendre un âne grec. C'est bon. Non. Allez. Non, je rage. Oui, je suis de mauvaise foi. Totalement. Non. J'ai mal. Bon, je vais me prendre un âne tandoori. Bon, bah, c'est parti. C'est moi, la honte de la France. Il est 15h30, hein. Bravo, Kibiki. On applaudit. Du coup, tous les restaurants indiens, ils étaient fermés. C'est cool. Dans un petit restaurant indien qui fait des nanes, etc. Avec des wraps et tout. Et lui, il était ouvert. Du coup, je me suis dit, bah, cool. En plus de ça, ma carte mémoire, elle bug. Donc, des fois, je filme et ça prend pas le. Non mais c'est bien. Je tourne la roue. Un truc que je voulais pas. Les gens vont penser que c'est truqué hein. Mais bah non. En Inde, le lassi mangue. J'ai fait des vidéos en Inde. Elles sont disponibles sur la chaîne YouTube. J'ai testé plein de trucs à indien, etc. N'hésitez pas à aller la voir. C'est pour ça que là. Mais un petit lassi mangue. Et ça bah c'est super bon. Le wrap qui s'appelle le wrap Bollywood. Il m'a dit Bollywood. Je me suis dit c'est bon. On est en plein stéréotype. Des petites frites. Et je me suis pris une tarte au dinde. Alors pas parce que c'est indien que j'avais pas le quota pour la carte bleue. D'ailleurs est-ce que c'est vrai ça? Pas à moins de 5€. Je crois que ça c'est faux ça. Vous en pensez quoi les gars? Bollywood, je veux me faire un nan, il m'a dit je fais plus les nan. C'est pas mal avec le chicken tandoori. Si vous mangez indien, vous devez absolument goûter les tandoori ainsi que les nan. Goûtons un petit peu ce wrap. Oui les gars, regardez, il m'a pris une grosse paille comme ma... Quoi? J'ai rien dit. En fait, j'ai plus l'habitude de faire mes défis 24 heures tout seul. Je me sens seul, ouais. Mais je suis avec vous, mes abonnés. La troisième frite. Oh, pour chaque ethnie, je vais essayer de dire bonjour et bon appétit, je pense, un truc comme ça. Donc en indien, c'est. Je pense que c'est sastrikal. Kochkhana, hé, peut-être. Non, kochkhana, c'est-à-dire que tu vas peut-être manger quelque chose. On dit pas bon appétit en vrai en indien. Comment on dit bon appétit en indien? Je suis con. Tous like car, mes vidéos like car, j'ai pli. Tous les pays que je vais trouver, je vous ferai l'intro avec le mot. Ah, incroyable. Je sais pas pourquoi ces frites elles sont aussi bonnes, je kiffe mort. Désolé. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Je commence à avoir peur que mes profs ils commencent à regarder mes vidéos, je crois. Je suis dans la merde. Comme on dit, 1, 2, 3, let's go. Oh mon dieu. Avec un fromage qui est bien fondu. Et c'est une sauce un peu, voilà, comme ils disent, la Bollywood. Tout sur chaque détail de la viande. Oh mon dieu, c'est trop bon. Un tout petit peu épicé. Et qui se mélange à la sauce du tandoori. Et bon, moi, ça me rappelle un peu les Indes et tout, c'est normal. Il l'a fait bien exprès pour moi. Mais longtemps, j'ai pas mangé un truc aussi bon. Oh ouais, non. Oh, je suis heureux. J'ai jamais bu d'alcool, j'ai jamais fumé. La seule chose qui peut me mettre dans des moments d'extase, c'est la nourriture. Vive la nourriture. Non mais regardez, c'est incroyable. Tous mes potes, ils essayent. Tous mes potes, faut qu'ils essayent. On va goûter ce lassi à la mangue. Exo lassi time. Un peu... Alors, c'est bon, mais sans plus. C'est trop fort, c'est trop prononcé, du coup, tu sens pas assez la mangue. C'est pas bon, c'est pas super bon. Ah, aïe, ça nique la gorge.
Et j'arrive jamais du mélange avec ça. Ah, ça me nique. J'ai lâché un 4 tonnes. Ça avec un âne, tu me fais le meilleur truc que je kiffe, hein. Il y avait ça aussi. Ça coûtait 1€ en plus. C'est un petit burger dans une petite pita. J'avoue, on dirait il a du vécu, hein. Ça va, c'est mangeable. 1€ en plus, ça permet de te caler bien, quoi. C'est bien. On va passer maintenant aux collations et les stéréotypes des fast-foods. Oh là là, regardez le gâteau de ma mère, il est magnifique. Mettre un petit commentaire avec ton pays, ta nationalité ou tes origines, et avec ton plat, le goûter, en espérant que la roue va me donner un pays avec des goûters qui sont vraiment doux. Ça va me permettre de découvrir de nouveaux plats. Donc là, pour l'instant, la roue m'a donné indien, pas vraiment une vraie découverte. J'aurais dû aller à un vrai resto indien. Mais j'ai besoin de vos commentaires pour l'épisode 2. Chinois ou canadien là? Obligé de relancer les gars. Aïe! Américain! Du coup, bon, on est parti pour un gros 4 heures américain. Hello guys! Today, I'm gonna show you my diet. Like donuts. That's so crazy. But don't forget, you always need a peanut butter when you are from America. America is the best country in the world. We shoot the storm. We are totally brain dead. But because we are America. And I know, you're gonna type some comments. Oh, Kibiki, your French accent is so bad. I know it, but I know something more. Leave a thumbs up in my video. You can subscribe to my channel too. That can be a good idea. I will show you a real and perfect meal for people who live in America. Video, and I thought that's gonna be really good. Ouais, vous avez mon niveau en anglais? 18 au bac, hein, faut le savoir. Hein. On le met là, voilà. Et qu'est-ce qu'on met en dessous? Et on met un autre donut. Voilà, le donut burger. And you know it. Ça sent bon, c'est bien l'Amérique, bien sweetie. Voilà, c'est ça qu'on veut les gars. Je sais pas si vous avez vu la scène 51. Ah, c'est la plus grande arnaque de l'histoire. Hein. C'est dégueulasse. Pourquoi ils sont dégénérés comme ça les Américains? En fait, je dis ça, mais je suis en train de kiffer là. Ouais. Je suis vraiment en train de kiffer. Moi, je pense que si tu mets un steak, c'est bon. Ouais. Mais mon diabète en sueur. Mmh. Tellement sucré. Ah. Ce serait cool que dans les commentaires, genre, il y a plein de personnes qui me disent, ouais, essaye ce plat, ça peut être bien et tout. Et comme ça, je pourrais faire une vidéo, genre, un peu plus qualitative. Peut-être que ça me permettrait aussi de faire des voyages, de voir s'il y a quelques pays qui m'intéresseraient pour faire un voyage et pourquoi pas vous montrer ça sur YouTube. Bon, avant ça, il faut que je devienne millionnaire. C'est un autre problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce muffin? Bah... on va mettre du beurre de cacahuètes. Qu'est-ce qu'un snack américain sans beurre de cacahuètes? Eh bah c'est rien du tout. Eh oui les amis. Let's go. Oh bon, mais c'est tellement gras. Ah, tellement de sucre. Ah, j'arrive pas à m'en passer. Beurre de cacahuètes. Je vous jure, c'est trop bon. Oh, j'ai mal au ventre. Oh, ça a mire. Encore du beurre de cacahuète. Toujours plus de beurre de cacahuète. America. Je viens de manger n'importe quoi. J'avais pas faim. Et là, j'ai faim. America. Est-ce que je finirais ce donut? Mais j'ai envie de le manger. Vas-y, c'est trop bon. Entre tous ce soir pour le dernier plat. Oh les gars, comment j'ai chié. Oh la dinguerie. Mais il m'a tué les fesses. Je dois préparer les trucs pour la fac. Ça va, voilà, je classe tous mes cours comme ça. Mais je travaille énormément chez moi. Qu'importe le temps que t'as, toi, la fac, travail. Eh, je sais pas, qu'importe les trucs, arrête de trouver des excuses. Tu peux trouver du temps pour faire les activités que tu veux. Voilà. Et si t'as pas le temps, tu dors pas. C'est temps aussi pour moi de vous remercier pour la force que vous me donnez ces derniers temps. Merci à tous. Bon, je sais pas, on verra. Allez, c'est parti. On tourne la roue. Attention la famille. Qu'est-ce qu'on va manger, les gars, pour ce soir? Marocain, la famille. Ah, tagine, hein. Aïe, aïe. Ou on peut les emporter. On va se régaler. Franchement, ça sent bon. Regardez ce que j'ai. Un beau tagine. Oui, oui, oui. Je suis pas trop tagine. Alors, celui-là, j'ai pas mangé beaucoup de tagine dans ma vie. Ça, c'est un tagine marocain. Donc, je suis sûr, dans ma communauté, il y a des gens qui pourront me faire des couscous incroyables, je suis sûr. Ou des tagines incroyables aussi. Mais j'ai pas eu la chance, en fait, d'en manger des très bons. Pourtant, je suis déjà parti au Maroc et tout. Et j'ai pas le souvenir d'en avoir mangé des incroyables. Ça me hype. J'aime trop ce concept. J'aime trop ce concept. Je kiffe ce concept. Alors, voilà, c'est aux pommes de terre. Et avec un petit peu de poulet. Voilà, tout simplement. C'est très rare que vous me voyez manger à la fourchette. Incroyable. Oh là là. Ah ok, le poulet, les... Oh, c'est... Ça sent trop bon. Ouais, c'est fait maison, hein, bien sûr. Hein. C'est pas des trucs industriels. D'ailleurs, comment on dit bon appétit en arabe? Je sais pas du tout. Moi, je sais rien dire, moi. Je sais que dire... Vite, Hakim, il faut que tu trouves. Il faut que tu trouves des mots en arabe. Vite. C'est le mektoub. Mektoub. Dans le poulet. Le poulet bien tendre, cuit dans le tagine. Et avec un peu de pomme de terre.
C'est reposant, c'est calme. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je mange, je suis reposé. Super bon. Bien épicé aussi. Je savais pas que c'était autant épicé. Moi, je kiffe. Donc vraiment, ça me fait plaisir. Les patates, elles ont un super goût. Même le poulet, c'est un super goût. Et de base, je suis pas trop fan de ce poulet comme ça. Mais là, franchement, ça va un vrai goût. Vraiment, c'est bon. Ça fait bizarre que je mange des trucs comme ça en vidéo. C'est un peu, voilà, c'est nouveau concept. Moi, je découvre de nouvelles choses. Un peu mainstream, bien sûr, mais c'est moi qui ai choisi de prendre du poulet. Peut-être qu'il y en a dans les commentaires. On dit c'est n'importe quoi. T'as gêné au poulet, je sais pas. Moi, je veux goûter au poulet. J'ai envie de poulet parce que quand tu prends avec la sauce du bas là, il y a une petite sauce là juste en bas. C'est une dingue. Ça, quel plaisir. Putain, mais ça, les gars, en hiver, tu manges ça, mais quel doux plaisir. C'est la sauce d'en bas, là. Si cette vidéo, elle atteint les 2100 likes, je refais un épisode 2 de la roulette, mais cette fois-ci avec une vraie roulette. Et c'est vous qui allez choisir le prochain thème de la roulette. Donc là, c'était sur les pays. La prochaine fois, la roue décidera autre chose. Et c'est le commentaire qui aura le plus de likes où on fera la vidéo. Donc j'attends vos commentaires avec impatience. Quelle sera la prochaine roulette? C'est à vous de jouer. Mais j'ai kiffé. Oh là là, regardez-moi, que du fait maison ce soir. Incroyable. Quel plaisir, quel malin plaisir. Ma mère m'a dit qu'il faut que j'enlève le petit ruban. Et j'ai peur de faire une dinguerie, moi. Incroyable. Et est incroyable. N'oubliez pas, c'est sur Insta que je poste tous les gâteaux. Qu'est-ce que ça sent bon, je sais pas ça à placer, c'est sûr. Avec une ganache qui a l'air vraiment pas mal. Avec les petites fusées là. Je sais pas si ça va être vraiment. Elle a mis du praliné à l'intérieur des biscuits là. En plus, moi je suis traumatisé des flûtes comme ça. Dis Cyril Lignac, on t'attend. On va faire un contrat. On va te fumer. C'est ici les gars que s'arrête cette vidéo. 40 000 abonnés. Et ouais, ça avance. On y va, on lâche rien. Merci en tout cas à la famille. Prenez soin de vous. Faites attention à vous. Mangez bien. Dormez bien. Mais surtout, restez carré solide. Et n'oublie pas aussi de me follow sur Twitch. Il y a le lien qui est juste en description. Je suis en live quasi tous les soirs. À très bientôt sur le live ou sur la prochaine vidéo.